C'est à Savay que la phase départementale de la célébration de la 34e édition de la Journée de l'enfant africain a été célébrée ce vendredi 21 juin 2024. Une journée de solidarité avec les enfants de toutes les couches venus des 6 communes du département des Collines. L'événement officiellement célébré le 16 juin de chaque année a été l'occasion pour les structures étatiques et celle non gouvernementale de se pencher globalement sur l'état des violations des droits de l'enfant et de façon spécifique sur le droit des enfants à l'instruction afin d'assurer une éducation pour tous les enfants. Cette journée de l'enfant africain 2024 est placée sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue ». C'est une occasion pour les autorités de la préfecture, des élus communaux, des agents de santé, responsables des ONG et autres acteurs de la société civile du département de présenter le niveau de scolarisation des enfants du département avec à la clé des appels aux acteurs en charge des droits de l'enfant. Organisons-nous pour accélérer dans un effort collectif l'éducation de nos enfants dès maintenant, afin de les préparer à prendre une part active à la construction du Bénin et de l'Afrique. Aussi, voudrais-je inviter les communautés, les leaders religieux, les parents, en guise d'accompagnement des initiatives de l'État, à prendre la pleine mesure de leurs responsabilités en faisant de l'éducation de leurs enfants une préoccupation de tous les instants. Je ne saurais terminer sans réitérer le vibrant appel à la responsabilité collective pour une tolérance zéro à la non-scolarisation des enfants au Bénin, en Afrique, etc. La sécurité de nos enfants à l'école, dans leur communauté, doit être une priorité absolue. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette journée, rappelons-nous des jeunes de Soweto et de leur quête pour une éducation plus juste. Rendons hommage également à leur courage en renouvelant notre engagement envers les enfants d'Afrique. Prenons des mesures concrètes pour que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, car en investissant dans l'éducation de nos enfants, nous investissons dans l'avenir de notre continent. Nous devons tous nous engager parce que la réussite de l'éducation pour tous les enfants au Bénin est un effort collectif. Il nécessite un engagement de tous les acteurs de la société, les décideurs politiques, les parents, en passant par les enseignants, les communautés, les organisations de la société civile. Nous devons tous nous unir nos forces pour garantir à tous nos enfants du Bénin, mais particulièrement ceux du département des Collines, une éducation de qualité. Plus qu'une fête, cette journée doit être celle d'une prise de conscience, aussi bien pour nos enfants que pour nous parents. Notre devoir est alors de tout faire pour que nos enfants reçoivent une éducation de qualité. C'est leur droit le plus inaliénable. Chers enfants, vous avez aussi le devoir de vous mettre résolument au travail avec assiduité et abnégation pour que votre éducation soit complète et utile à vous-même, à vos parents, et par ricochet à la nation tout entière. Au village d'enfants SOS, nous avons toujours mis l'accent sur l'importance de l'éducation. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite une chance équitable d'apprendre et de réussir. Nos efforts pour réussir, pour fournir un environnement sûr et stimulant à ces enfants visent à garantir qu'ils reçoivent l'éducation étant
dont ils ont besoin pour devenir des citoyens responsables et accomplis. Soyons solidaires avec les forces de sécurité publique. Dénonçons tout ce qui a comme infraction ou tort porté aux enfants. Sachons que la sécurité des enfants est d'une importance capitale pour l'État. C'est pour cela que tout fait concernant les mineurs est porté aujourd'hui devant la CRIET. L'État béninois tient fortement à la sécurité des enfants. À travers leurs représentants, les enfants venus nombreux à cette journée qui leur est dédiée ont été reconnaissants pour tout ce qui a été fait à leur endroit, mais aussi ont fait une doléance envers les différentes autorités. Nous, les enfants du département des Collines, nous invitons les détenteurs d'obligations à prendre des mesures afin de donner une part plus importante, voire les trois quarts des budgets dédiés au secteur de l'éducation. Donner le maximum de moyens matériels et financiers aux enfants en termes de petits déjeuners, frais de photocopie et autres. Recruter plus d'enseignants qualifiés, dévoués à la fonction enseignante et en nombre suffisant. Construire plus de salles de classe dans les écoles des villes et villages du département. Sanctionner avec rigueur tous les prédateurs sexuels des jeunes filles, les empêchant de poursuivre leur scolarité. Mobiliser plus de moyens pour soutenir les enfants orphelins ou en situation difficile pour leur scolarité. Prendre des mesures pour nos frères et sœurs en situation de handicap, rampes d'accès faciles, matériel didactique spécifique, enseignants dédiés. Créer ou réfectionner des bibliothèques et autres centres informatiques pour approfondir les connaissances que les enseignants nous donnent. Au cours de cette journée, quelques actions humanitaires, dont la mise en terre de 100 plans au centre de santé de Savet, à l'amphithéâtre et une séance de don de sang. Cette journée a pris fin dans une ambiance festive, sous le regard des autorités présentes, tout en mettant l'accent sur la 35e édition qui aura lieu le 16 juin 2025 à Ouessé.